Donc je vais simplement introduire la conférence. D'abord, je vais remercier extrêmement chaleureusement M. Garry, lui dire bien sûr qu'on est, c'est un honneur et un plaisir, mais vraiment le remercier très chaleureusement. Pourquoi? Parce que M. Garry, hier, était dans le sud de la Bretagne italienne, et puis une grève de, non pas d'Air France, mais d'une compagnie dite low cost, l'a obligé à changer son plan de retour vers la France. Et il a fait toute la nuit dans le train, 15 heures de train pour rejoindre Paris. Son cours à Sciences Po. Et repartir vers Saint-Église. Donc je crois qu'on peut franchement le remercier. Le remercier d'être là ce soir et de ne pas avoir oublié ce qui était prévu. Donc encore vraiment merci beaucoup. Alors, Monsieur Garrigue, nous allons ce soir avoir le bonheur de remonter le temps, sous votre conduite, le temps du fil historique de notre 5e République, et ce, par la focale d'images des présidents qui se sont succédés à sa tête. Alors, bien sûr, depuis le fondateur Charles de Gaulle jusqu'au titulaire actuel de la magistrature suprême. Nous passerons ainsi de ce qui est déjà de l'histoire, ou dans l'histoire, à ce qui est notre actualité. Notre actualité politique. Alors, ces images, issues de l'agence France Presse, je crois, et puis votre verbe vont nous raconter, je vous cite, notre roman national mieux qu'un livre d'histoire. Mais nous pouvons observer que ce roman est parallèle avec celui de nos vies, ou plutôt accompagne l'histoire individuelle de chacun de nous. En effet, l'état civil des membres de notre auditoire de ce soir coïncide peu ou prou, pour la majorité d'entre eux, avec l'étendue chronologique de cette 5e République qui atteint, cette année, ses 60 ans. Mais quelle distance ou quel écart entre l'image du fondateur, le grand Charles de Gaulle, le premier à utiliser le petit écran qui était allumé depuis peu sur tout l'Hexagone, sur toute l'étendue de l'Hexagone, utilisation parcimonieuse, mais habile, pour un homme du 19e, comme on disait tout à l'heure, il s'en servait très bien. Et puis aujourd'hui, bien sûr, l'omniprésence des commentaires, le foisonnement des images concernant le titulaire de la fonction, Emmanuel Macron, tout cela porté par la multiplicité des médias et des réseaux sociaux, le discours lancinant de l'info en continu, ne nous laissant aucun répit si on y prend garde. Enfin, pour introduction, permettez-moi une courte citation concernant le texte fondateur, c'est-à-dire la Constitution de 1958, qui est toujours la base de nos institutions politiques et que nos présidents successifs ont mis en œuvre. Alors j'ouvre les guillemets. Au total, le texte de la Constitution tel qu'il sort, suivant mes indications, du travail de Debré et de ses collaborateurs, de l'examen qu'en ont fait en présence et ensuite sont cités divers comités et conseils, je passe. Le texte de la Constitution est conforme à ce que je tiens pour nécessaire à la République. Pourtant, ce qui est écrit, fût-ce sur un parchemin, ne vaut que par l'application. Une fois votée, la Constitution nouvelle, il restera à la mettre en pratique, de telle sorte qu'elle soit marquée, en fait, par l'autorité et l'efficacité qu'elle va comporter en droit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une citation tranchante comme une formule. Et bien sûr, elle est de Charles de Gaulle dans ses mémoires d'espoir. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette excellente présentation. Ça n'est pas toujours le cas dans ce type de conférence. La vôtre était particulièrement réussie. Et je me réjouis d'être parmi vous en tant que petit-fils de viticulteur du Frontonnet. Je suis flatté et honoré d'être reçu dans la Mecque viticole de Saint-Emilion. Et je vais vous proposer donc une petite balade dans cette histoire de la 5e République, dont on va commémorer le 60e anniversaire, en me focalisant, en me basant sur un certain nombre d'images issues de ouvrage que j'ai publié il y a un an, mais aussi d'autres images que j'ai rajoutées pour donner un peu plus de cohérence et ne pas reprendre
le même propos que celui de cet ouvrage, pour essayer en quelque sorte, de, en remontant le fil de cette histoire, de caractériser un petit peu le style de ces 8 présidents qui se sont succédés et qui sont à la fois très très différents et parfois similaires, et d'une époque à l'autre, on retrouve des choses très communes, étrangement communes, d'un président à l'autre. Alors voilà, je vous invite à entrer dans le palais de l'Élysée pour rencontrer le premier président que j'ai appelé, évidemment, sans grande originalité, le président de la grandeur, puisque la grandeur était quand même l'obsession du général de Gaulle, et puisque il faisait presque 2 mètres, pour dire qu'il était à tout point de vue, en tant que général ici, saluant la foule d'Alger, se souvient que c'est à la suite de la crise du 13 mai 1958 qu'il avait pris le pouvoir, alors à la suite de circonstances que certains qualifiaient de coup d'État, mais qui reflétaient surtout une 4e République qui était à bout de course, qui n'arrivait pas à résoudre le problème de la décolonisation. Donc ce président de la grandeur est un président qui s'est toujours fait une certaine idée de la France, c'est ce qu'il disait dans ses mémoires d'espoir. Et au fond, cette image, qui est l'image initiale de tous les présidents, le portrait du président, nous montre bien ce qu'était aux yeux du général de Gaulle la grandeur de la France, le respect des traditions, le grand cordon de la Légion d'honneur, c'est-à-dire une histoire qui remonte à Bonaparte, au Premier Empire, les livres, toute la culture française derrière lui, et d'autres, je ne me souviens plus d'ailleurs quels étaient les livres qu'il avait posés sur cette table, mais des livres qui traduisaient justement son attachement à cette histoire de la France, que de Gaulle d'ailleurs faisait commencer aux Gaulois, à Vercingétorix, même s'il avait quelques points de référence majeurs comme Jeanne d'Arc ou comme Georges Clemenceau. On peut le dire, ce qui sont les deux figures qui reviennent le plus souvent dans son discours. Il se faisait donc cette idée de la France. Et vous voyez, dès la première image de ce qu'était de qui était le général de Gaulle, il y avait cette impression de solennité, d'autorité et de surplomb historique qui était associée à sa carrière et qui était associée à son périple dans notre roman national, justement. Alors ce président de la grandeur, s'enracinant dans l'histoire, était très attaché à célébrer les figures de cette histoire, et notamment une figure fondatrice pour ce que j'appellerais l'épopée gaullienne, qui est celle de Jean Moulin, l'homme qu'il avait envoyé en France pour présider, créer, de toute pièce, le Conseil national de la Résistance en 1943, persécuté et mort dans les geôles des nazis, et Jean Moulin qui fut célébré en 1964 sous l'autorité du général de Gaulle, qu'on voit entouré de Georges Pompidou, son premier ministre, et d'André Malraux, son ministre de la Culture, et cette grande cérémonie de la panthéonisation de Jean Moulin, avec le discours de Malraux, « Entre ici, Jean Moulin !» Ça fait partie aussi des nécessités du pédagogue, vous savez, pour retenir des étudiants au bout de 30 minutes, sont déjà sur leur smartphone, il faut quand même les amuser un tout petit peu. Et donc cette cérémonie-là, si vous voulez, marquer là aussi cet ancrage dans l'histoire et cette référence au général de Gaulle comme personnage historique ayant construit l'histoire de la résistance par le truchement, par l'intermédiaire, finalement, de Jean Moulin, cet ancien préfet de Chartres, qui était un des premiers à avoir rejoint la France libre. Alors, la grandeur, c'est aussi la manière dont le général de Gaulle a présenté à la France son couple, et celle que, familièrement, on avait surnommée Tante Yvonne, qu'on voit à ses côtés, et dont vous savez qu'elle était toujours très en retrait par rapport au président, mais toujours présente, toujours digne, toujours
dans un effacement de bon ton, je dirais, par rapport à ce qu'était une figure présidentielle. Alors, c'est une figure de femme de président et non pas de première dame, puisque le terme de first lady est un terme américain qui ne doit pas être appliqué à la présidence française. C'est une femme, évidemment, de la première moitié du XXe siècle, avec une manière d'être, des convictions, un rôle de la femme qui était celui d'une femme qui soutient son mari, qui est à ses côtés, qui l'épaule et qui s'efface derrière lui. Mais cette image-là est une image qui était populaire, qui, dans ces années 1960, pour beaucoup de Français, pour ce qu'on pourrait appeler la France profonde, était quelque chose qui résonnait, qui avait une signification. Je voulais vous la montrer parce que, évidemment, on est aux antipodes de ce qui a suivi, qu'on va voir tout à l'heure. Mais ça faisait partie aussi du récit gaullien que d'avoir Yvonne de Gaulle. Et souvenons-nous quand même que Yvonne de Gaulle jouait souvent un rôle de conseillère du général, et que notamment, lorsqu'il a fallu prendre une décision qui était assez délicate pour le général de Gaulle, qui était un chrétien, un catholique pratiquant, qui a été ce qu'on appelait la loi Neuwirth, qui introduisait, vous le savez, la contraception, la pilule contraceptive, eh bien, c'est Madame de Gaulle qui a encouragé le général de Gaulle à accepter cette réforme, car elle considérait que la pilule allait sauver un certain nombre de femmes, les empêcher d'aller dans des situations sociales dramatiques. Donc vous voyez que ce personnage effacé, qui incarnait la tradition, qui incarnait une certaine idée de la femme, au fond, parfois, savait être quelqu'un qui avait de la personnalité et l'instinct du progrès social. Alors, évidemment, l'image majeure de ce De Gaulle de la grandeur, c'est l'image de ses conférences de presse. Il a multiplié les conférences de presse. J'avais noté qu'entre 1958 et 1965, sa première présidence, il a organisé pas moins de 12 conférences de presse, considérable. Il intervenait tous les 6 mois auprès d'un parterre de journalistes totalement, contrôlé, acquis à sa cause. Les questions et les réponses étaient préparées. Il y avait, en regard du général de Gaulle, sur le côté, l'ensemble du gouvernement soumis au président de la République. Et cette image, il était sur une estrade, contrairement à moi. Ce n'est pas d'aspiration gaullienne, mais on voit bien ce qu'était cette majesté cultivée par l'image du général de Gaulle et la manière, évidemment, assez éblouissante dont il émaillait ses conférences de presse de réparties, de bons mots sur le volapük à propos de l'Europe, sur le peuple d'Israël, sûr de lui et dominateur, enfin plein de choses comme ça qui marquaient les esprits et qui marquaient les journalistes qui se battaient, les journalistes du monde entier qui se battaient pour assister à ces shows du général de Gaulle. Ça faisait partie de cette idée de la grandeur. Vous voyez cette caricature de Jean Eiffel, pardon, qui était un des grands caricaturistes de l'époque. Rites et coutumes de la cinquième, veillez, messieurs les journalistes, fournir vos questions à mes réponses. C'était tout à fait la conception monarchique du général de Gaulle, mais c'est très vrai. Alors on voit Georges Pompidou, André Malraux, Edgar Faure, avec ses fameuses lunettes. Edgar Faure, un personnage qui voudrait à lui seul toute une séance. Bref. Alors, autre caractéristique de cette présidence monarchique, le bain de foule. On peut dire que le général de Gaulle tient son pouvoir du peuple, il tient à être le président du peuple, et il affectionne le bain de foule, qui était une pratique qui n'existait pas avant lui. Il y a deux chefs d'État qui ont pratiqué le bain de foule en France, c'était Napoléon III et le maréchal Pétain. Si bien d'ailleurs que le général de Gaulle, allant saluer la foule dans les années 1945-46, parce qu'il a commencé à ce moment-là le bain de foule, s'était vu salué par une dame d'Aix-en-Provence, qui m'avait dit « Ah, monsieur le maréchal, elle avait un tout petit peu confondu. Mais
cette pratique du bain de foule, elle est en fait une résurgence de ce fameux toucher des écrouelles des monarques d'Ancien Régime. Toucher le monarque, c'était avoir une chance d'être guéri. Les rois étaient thaumaturges. Et d'une manière symbolique, le fait pour le Français d'aller serrer la main du général de Gaulle, et certains lui confiaient même leurs enfants pour qu'ils les embrassent ou leur serrent la main, et à cette pratique-là est véritablement, là aussi, une résurgence de ce vieux fond monarchique que le général de Gaulle a appliqué dans la gestion de sa présidence républicaine. Et alors, la France de la grandeur, c'est aussi une France qui gagne. La France de la grandeur, c'est la France d'Éric Tabarly, qui avait gagné plusieurs courses au large, qui représentait aussi, qui était un militaire, qui représentait donc une sorte de gloire de l'armée française, et qui pour le général de Gaulle était une figure emblématique de cette grandeur, comme le Tour de France. Et là on voit, ce sont des images qui sont dans le livre, le Tour de France qui s'est arrêté spécialement à Colombelles-les-Deux-Églises, chez le général de Gaulle. On a neutralisé l'État pour pouvoir saluer celui qui était l'icône nationale. Et en fait, ce sont deux icônes qui se rencontraient, et au fond, deux Tours de France, car une autre caractéristique du général de Gaulle, c'était précisément d'avoir accompli le Tour de la France pendant sa présidence. Il a visité tous les départements français, Ces déplacements dans l'Hexagone étaient des déplacements longs, c'est-à-dire que ça durait une semaine. Ils s'arrêtaient partout, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. En général, ils s'arrêtaient dans toutes les sous-préfectures, ils couchaient dans les préfectures, ce qui tirer les cheveux les préfets, parce qu'on ne trouvait jamais de lit assez grand pour le général. Classique, mais il y avait véritablement là une sorte de symbiose entre ce que représentait le Tour de France comme icône de notre sport national et puis ce que représentait le général de Gaulle, qui lui avait aussi fait son Tour de France pour partir à la rencontre des Français, justement. Et puis alors évidemment, l'un des piliers de la grandeur française, c'était la France-Afrique. Bon, le général de Gaulle est un homme qui était né en 1890, qui avait connu la colonisation, qui n'y était pas hostile, mais qui a été contemporain de la décolonisation, qu'il a notamment initiée en ce qui concerne l'Algérie et en ce qui concerne l'Afrique, justement, mais qui ensuite a fait succéder à cet empire colonial ce qu'on a appelé la France-Afrique, un lien privilégié notamment avec les pays d'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, faut-il dire. Alors là, on a par exemple autour de lui deux piliers de cette France-Afrique, qui était Omar Bongo et Oufouet Boigny, qui était vraiment le... C'est d'ailleurs Oufouet Boigny qui a créé cette formule, le président de la Côte d'Ivoire, donc de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, ancien ministre du général de Gaulle, qui a créé cette formule de la France-Afrique, dont on sait qu'elle a donné lieu à un certain nombre de dérives, qu'elle entretenait une sorte de paternalisme, quelquefois de mauvais aloi, parce qu'il conduisait à l'exploitation des richesses africaines, et à des phénomènes de corruption, de commission et de rétro-commission, dont tous les partis ont profité, et dont l'un des principaux collaborateurs du général de Gaulle, s'appelle Jacques Foccart, a été le grand artisan, car pas se cacher que Jacques Foccart, en tant que grand organisateur des relations franco-africaines, était aussi le grand financier des partis gaullistes. Il avait commencé déjà pour le RPF de 1947. Donc voilà, il y a aussi cette France-Afrique, mais la France-Afrique fait partie aussi du discours de la grandeur tel que le général de Gaulle voulait le propager, c'est-à-dire, au fond, préserver, si vous voulez, cet espace, cette grandeur coloniale au cœur de la Ve République. Et puis, évidemment, la grandeur, c'est aussi la politique d'indépendance nationale entre les deux grands. Le refus de choisir entre l'Atlantique et l'Orient. Et c'est très 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 clair dans la politique menée par le général de Gaulle. Il ne veut pas choisir, la France n'a pas à choisir. Alors, d'un côté, il y a la réception, magnifique réception, en 1961, de JFK,
qui dit, alors je vais quand même le citer, je ne m'en souviens pas entièrement de mémoire, qui vient, dit-il, rechercher les conseils de l'un des hommes les plus sages et les plus héroïques de notre temps. Hein, vous voyez avec quelle humilité celui qui était le représentant de la plus grande puissance du monde et qui était véritablement l'icône encore du monde entier à cette époque, John Fitzgerald Kennedy, s'adresse au général de Gaulle, et il salue l'homme de la résistance, etc. Et puis alors évidemment, il y a la fameuse Jackie Kennedy qui a été la vedette de cette visite qui a eu lieu en mai 1961 avec la fameuse formule de Kennedy, je suis le type qui accompagne Jackie. Et Jackie, d'origine française, Jackie Bouvier, séduisant les journalistes par les petits tailleurs qu'elle portait, la façon dont elle parlait français, etc., qui a fait un tas. Mais en même temps, on entretient le dialogue avec le Soviet suprême et le Politburo de l'Union soviétique. On voit le général de Gaulle entouré par Léonid Brejnev, le visage un peu masqué de celui qui dirigeait la diplomatie soviétique qui était Kosygin, hein, c'est long. Et on voit là le général de Gaulle qui a été à plusieurs reprises à Moscou. Alors cette image-là, je ne me souviens plus de quelle époque elle date précisément, mais disons qu'on est dans les années, milieu des années 60, et c'était très important pour le général de Gaulle d'entretenir ce dialogue au milieu et entre les deux grands, de ne pas être aligné sur la bipolarité de ce monde, de la guerre froide qui venait, qui était en train de se terminer. Et on se souvient des discours très critiques que le général de Gaulle portait sur l'impérialisme américain à Phnom Penh, au Cambodge, à Mexico, hein, face aux grands voisins hein, qu'étaient les États-Unis. Et puis lorsqu'il avait dit aux Québécois « Vive le Québec libre !» Tout ça, c'était des provocations hein, face à la puissance américaine. C'était la volonté de cultiver cette grandeur face à un monde qui, je le répète, était un monde où les deux grandes puissances de naguère, d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient la France et l'Angleterre, étaient de plus en plus dépassées par ces nouvelles grandes puissances émergentes. Alors, il y a, avec tout ça, le refuge de Colombey. Alors là, j'ai voulu l'évoquer par la visite de Konrad Adenauer, qui a été le seul chef d'État reçu par le général de Gaulle à Colombey et d'ailleurs à l'Élysée. Le Konrad Adenauer, c'est emblématique évidemment de cette amitié franco-allemande qui a commencé avec le général de Gaulle, malgré les réticences et la vision souverainiste que le général de Gaulle avait de l'Europe. Il est quand même le premier à avoir construit cet axe franco-allemand. Et l'amitié avec Konrad Adenauer, qui avait été un des opposants au nazisme en Allemagne fédérale, enfin au temps de l'Allemagne, et le premier chancelier de l'Allemagne fédérale, eh bien voilà, on avait là, dans ce refuge de Colombey, où le général de Gaulle passait toutes ses vacances et tous ses week-ends. C'est-à-dire que dès que le général de Gaulle n'était plus dans la posture présidentielle, hein, le corps privé du président s'effaçait totalement, se rétractait, hein, s'effaçait de la scène publique, et il aimait ensuite rester à Colombey. Et il disait de Colombey les deux églises, là, regardant l'horizon de la terre et l'immensité du ciel, je restaure ma sérénité. Je crois que cette restauration de la sérénité était aussi très importante pour cultiver justement cette image de la grandeur, c'est-à-dire un mystère, un éloignement, une séparation très stricte entre le corps privé et le corps public du monarque républicain. Ce sont les éléments de la grandeur, et Dieu sait que ces éléments ont ensuite été souvent un tout petit peu oubliés par ceux qui l'ont succédé. Pas tant d'ailleurs par celui qui lui a succédé, que j'appellerais le président de la succession, qui est Georges Pompidou, on le voit d'ailleurs derrière la statue du commandeur. Vous savez que la dernière année du couple Pompidou-De Gaulle a été très difficile, car faut dire que Pompidou avait rejoint un rôle majeur pour, régler la question de la crise de mai 68. Général De Gaulle, avait été totalement pris de court parce qu'il s'était passé en mai 68, était parti à Baden, revenu, grande manifestation avait salué son retour,
Mais il avait été très humilié que ce soit Georges Pompidou qui négocie les accords Matignon et qui, les accords de Grenelle, pardon, et qui fasse sortir la France de ce moment difficile. Ce qui fait que quelques mois plus tard, ben, Georges Pompidou avait été remercié. Et puis Georges Pompidou avait eu le malheur en janvier 1969 à Rome de dire qu'il se verrait bien succéder pour être le successeur du général de Gaulle. Sacrilège, crime de lèse-majesté, et les derniers mois avaient été très, très difficiles avec la démission du général de Gaulle suite au référendum d'avril 1969. Alors Pompidou avait une tâche difficile qui était à la fois de mettre ses pas dans celui qui avait fait sa carrière politique. Georges Pompidou ne se destinait pas du tout à une carrière politique et en même temps de marquer sa différence, de montrer qu'il avait aussi compris l'évolution de la société française qui ne pouvait plus rester au XIXe siècle. Alors voilà cette image du général de Georges Pompidou en campagne, juste après le départ du général de Gaulle. Les jeunes de Richebourg, c'était pas loin de sa résidence qu'il avait non loin de Paris, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Donc là, on voit les jeunes gaullistes qui l'entourent, des enfants, parce qu'il fallait montrer cette image de rajeunissement de la vie politique, ce qui était difficile pour Pompidou. Il avait été l'acolyte principal du général, son premier ministre de 1962 à 1968. Il était associé au régime gaulliste, mais il fallait montrer qu'il était un homme nouveau. Alors Georges Pompidou a montré l'innovation, notamment dans la décoration de l'Élysée. Alors, Pompidou détestait l'Élysée et détestait d'ailleurs la fonction présidentielle. Hein. En entrant à l'Élysée, il a dit « j'entre dans une prison hein. ». Mais, au fond, il a voulu faire de cette prison une sorte de prison dorée, ou plus exactement, une vitrine de la modernité, du futurisme même culturel. Vous savez que Georges Pompidou était un amateur d'art normalien, qui appréciait beaucoup les artistes les plus contemporains. On a ici ce qu'était le fumoir de l'Élysée, sous Georges Pompidou. Là aussi, ça nous transporte dans une époque très différente, aménagé par un designer qui s'appelait Paulin, hein, qui était très célèbre à l'époque. Il y avait du Vasarely, du Niki de Saint-Phalle, enfin tous des artistes qu'aimait à connaître le Georges Pompidou, qui par ailleurs était très ami avec Guy Béard, par exemple, Pierre Boulez, le compositeur, Jean Parot, le dramaturge, enfin des gens qui travaillaient aussi dans la modernité et le futurisme culturel. Ça a été une grande marque de fabrique de cet intellectuel au pouvoir qu'était Georges Pompidou. D'ailleurs, j'ai voulu donner cette image d'une conférence de presse, car là, il se situait aussi dans la continuité du général de Gaulle, avec des conférences de presse qui étaient des moments exceptionnels. On voit le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, qui s'était fait beaucoup taper sur les doigts, le grand-duc d'Aquitaine, lorsque le 26 septembre 1969, il avait présenté son projet de nouvelle société, magnifique projet d'ailleurs, mais qui était considéré par Pompidou comme un crime de lèse-majesté. Ça n'était pas au Premier ministre d'annoncer son programme, et Pompidou considérait son programme comme beaucoup trop social et irréalisable. Toujours est-il que Georges Pompidou était en majesté lors de ses conférences de presse, dont la fameuse conférence de presse où il évoque le cas de cette pauvre Gabrielle Russier, cette jeune femme qui était tombée amoureuse de l'un de ses élèves, qui était assez âgé, mais qui n'avait pas la majorité. Il avait 19 ans, je crois, il n'avait pas la majorité de l'époque, qui était 21 ans. Et la pauvre s'étant suicidée, on interrogea Georges Pompidou, et il cita des vers d'Éluard, hein, parce que c'était elle, parce que c'était lui, et montrait ainsi qu'il était un président un petit peu hors du commun, hein, assez loin de la normalité, en tout cas un président enraciné dans la culture française et une culture de la modernité. Je crois que ça faisait partie fondamentalement de ce président que j'aurais pu appeler le président de la culture. Ce qui ne l'empêchait pas d'être aussi dans la continuité du général de Gaulle pour entretenir ce que j'appellerais le mythe, hein, de la grande puissance, c'est-à-dire d'une France qui parle
aux Américains, aux Soviétiques. J'aurais pu montrer les images de ses séjours à Washington ou à Moscou. Quand il est allé d'ailleurs à Washington, il y a eu une polémique des israélo-américains, enfin, groupe juif américain, parce que on reprochait à Georges Pompidou de mener une politique trop favorable aux pays arabes, ce qui a toujours été l'inclination des présidents français. Mais bon, là aussi, ce serait pour toute une discussion, mais il y a toujours une volonté d'être un peu là aussi en équilibre entre le tropisme israélien de la France et le tropisme arabe. Alors là, c'est Mao Zedong qui accueille Georges Pompidou. Je crois que c'est, je ne sais plus en quelle année, je dois avoir noté l'année précisément, pour ne pas vous dire trop de bêtises. C'est en septembre 1973. Il a été accueilli en grande pompe, hein, 122 voitures dans le cortège, les jeunes filles qui jetaient des fleurs sur le passage, les fameuses 100 fleurs de Mao Zedong, qui était un tyran sanguinaire, n'est-ce pas, mais qui était un interlocuteur indispensable, parce que puissance émergente, à l'imperfide, quand la Chine s'éveillera. Ben, Georges Pompidou avait compris que la Chine était en train de s'éveiller et qu'il fallait veiller à la ménager. Vous voyez déjà que Georges Pompidou, sur cette image, est atteint. Il a les stigmates de son traitement à la cortisone contre cette maladie de Waldenström, maladie très rare, dont il était atteint et dont il n'était pas d'ailleurs, pendant un très longtemps, il n'a pas été au courant lui-même. Parce que même son fils adoptif, Alain, lui cachait la réalité de son mal, et puis qu'il a peu à peu, évidemment, affaibli. Alors, toujours la France-Afrique, hein, chez Omar Bongo, Gabon, Pompidou détestait ce type de voyage, peut-être aussi parce que sa santé commençait à être un peu vacillante, mais ça faisait partie du rituel, cet accueil très spontané, très haut en couleur, avec ces fameux boubous aux couleurs du président français et du président Bongo. Ça, ça fait partie du cérémonial des visites en Afrique, même si on sait que Pompidou avait eu trop chaud, ça ne l'avait pas beaucoup plu, ce voyage-là. Non, ce qu'il préférait, c'était là aussi se retrancher dans une vie de couple avec celle qu'il appelait Biche, qui était Claude Pompidou, qui joue un très grand rôle dans la vie privée de Georges Pompidou, comme conseillère, comme muse, comme femme de culture et de lettres. Elle était très proche, elle, du couple Renaud Barrault, et ils n'aimaient rien tant que de se retrouver dans leur propriété. Cajard. Non, ça c'est pas Cajard. Cajard, ils avaient une propriété près de Paris, dans les Yvelines, et je n'arrive plus à me souvenir. Peu importe, Cajard, c'était le lieu d'origine. Des Pompidou, ils y allaient aussi très 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 souvent, et pour lire des livres, là encore le livre obsessionnel, l'amour du livre, on pourra discuter le choix de la couleur, mais assorti quand même du plus. Mais c'était aussi des années, fin des années 60, début des années 70, et vous aurez noté aussi la cigarette au bec, très emblématique de cette époque. C'est en cela que cette histoire de nos présidents, de nos styles présidentiels, c'est aussi l'histoire de notre société en train d'évoluer, hein, et en train de s'adapter aux contraintes de l'époque. Alors évidemment, voilà, l'adaptation, c'est la maladie de Waldenström, quelqu'un qui est totalement bouffi, qui jusqu'au bout essaye de se battre. On sait qu'à l'orée de son dernier conseil des ministres, il fait tout un petit discours à ses ministres en leur disant « Moi, je ne leur donnerai pas le plaisir de disparaître et je serai là la semaine prochaine. » Il avait les projets pour partir dans d'autres voyages à l'étranger. Et puis, d'un coup, les écrans de télévision le soir, je ne sais plus s'il n'y avait pas les dossiers de l'écran ou quelques émissions, avec ce bandeau, le président Pompidou est mort. Ça a été quand même
une surprise malgré tout, même si on voyait quand même qu'il était extrêmement affaibli. La succession a été évidemment très très agitée, très très agitée, et elle a permis l'avènement du président, alors j'aurais pu dire le président de la jeunesse, ou de la France au fond des yeux, puisqu'il avait, en lançant sa candidature, dit « je veux regarder la France ». Regardez le monde au fond des yeux, et le message, et écoutez le sien. Alors, là, c'est un président qui veut changer les codes, il est d'une nouvelle génération, il est d'une nouvelle famille politique, parce que ce n'est pas un gaulliste, hein. Il a été hostile au référendum d'avril 69, il est un des responsables de la chute du général de Gaulle, et veut gouverner la France au centre, hein. C'était le projet de Valéry Giscard d'Estaing, et incarner la modernité. C'était l'obsession de Giscard. Alors, on le voit avant la campagne, c'était en 73, où il joue de l'accordéon. Je ne sais plus si c'est lors d'une émission de celle qu'il invitait de manière récurrente, Daniel Gilbert, sur une image tout à fait. Alors que Giscard, en fait, était surtout un pianiste émérite, d'ailleurs. Dans les quartiers, les beaux quartiers du 16e, où il avait appris le piano avec sa maman, qui était très, 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 très fière de son jeune Valéry. Alors, mais il y avait de quoi, Alors, Giscard, j'ai un petit jeu de mots, certains l'aiment showbiz, voilà, l'irruption véritablement du showbiz dans la publicité politique, je veux dire, cette fameuse campagne, j'en souviens, Giscard là-bas. Et quand elle est portée par la poitrine assez avantageuse de bébé, ça donne tout de suite quelque chose de spectaculaire. Mais je rappelle que Brigitte avait été reçue quelques années plus tôt par le général de Gaulle à l'Élysée, dans une tenue d'une sorte de hussard bonapartiste, qui avait fait scandale, mais qui avait beaucoup apprécié le général de Gaulle, et qui avait moins apprécié Yvonne. Bon, toujours est-il que là, vous voyez à quel point on change quand même d'époque, on est dans les années 70, mai 68 est passé par là, la libération sexuelle, et une femme qui arpore ce t-shirt fièrement, ce président de la modernité, et puis ce président qui affiche littéralement sa famille, et notamment sa fille Valériane, qui est sur l'affiche de campagne, la principale affiche, on le voit assis sur un banc avec sa fille, pour incarner justement cette modernité. Alors là, avec le slogan « La paix et la sécurité », mais il y a eu d'autres slogans déclinés pendant la campagne. Et c'est quand même ce qui a permis la victoire de Giscard d'Estaing, cette image de jeunesse et de modernité, car rien ne présageait sa victoire. Et les deux favoris étaient d'un côté Jacques Chaban-Delmas, l'héritier du gaullisme, et le côté François Mitterrand, car on était dans une poussée de la gauche, l'union de la gauche, le programme commun avait décidé en 1972, il y avait vraiment une forte poussée de la gauche. Et comme vous le savez d'ailleurs, si les femmes n'avaient pas voté en 1974, c'est François Mitterrand qui aurait été. Mais les femmes, toujours ces petits êtres un peu fragiles, émotifs, avaient été sensibles au charme de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui était même très sensible au charme de ces dames, mais ainsi d'ailleurs que Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand. C'était assez bien partagé. Alors il y avait eu dans la campagne aussi beaucoup d'attaques contre Jacques Chaban-Delmas, etc. Il avait dit c'est quand même un paradoxe, parce qu'au fond c'est le seul qui se présente à cette élection avec un couple qui fonctionne et qui est encore, qui vit avec sa femme, alors que j'ai tous autres, que ce soit Giscard ou Mitterrand, vivaient une vie parallèle, mais ça c'est leur problème. Et à l'époque, ça n'était pas du tout sur le devant de la scène. Ça l'est venu avec cette fameuse affaire de la camionnette du laitier. Au petit matin, Giscard revenant d'une soirée avec des amis, une dame a été percutée à une camionnette de l'île. On pense à une soirée, c'est chez Roger Vadim, ancien mari de bébé, et qu'il aurait eu cet accident. Il vivait Giscard d'Estaing à l'Élysée, alors qu'il n'aimait pas du tout, et qu'il aimait encore moins Anémone. Elle disait, c'est un bureau,
déteste aller à l'Élysée, bien qu'elle fût, vous voyez, mise en avant pour la campagne. Giscard terminait sa journée à 20h et à partir de là, il n'était plus là pour personne. C'est-à-dire qu'il tenait à préserver son intimité. Et toutes les soirées de Giscard, sauf les soirées évidemment officielles et réceptions, etc., lui était réservé, personne ne savait où il était, même pas sa femme. Surtout pas sa femme. Bon, mais ne croyez pas que je suis en train de faire une petite histoire anecdotique, parce que tout ça, finalement, est un reflet de l'évolution des mœurs et des mentalités. Et la mise en avant de la famille, comme ça, est très importante pour Giscard d'Estaing. Et voilà. Alors, ce qui est très important aussi, c'est cette mise en avant du corps du président, de la jeunesse du président. Président sportif, hein, n'imagine pas Georges Pompidou, De Gaulle, hein, c'est possible. Donc, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Giscard se fait photographier torse nu, nageant, etc. À Courchevel, pareil, il fait ski et il montre qu'il est un président jeune, de son époque, qui adore les sports de toutes sortes. Les conférences de presse deviennent des réunions de presse. Vous voyez que là, les journalistes peuvent se rapprocher, photographier, le mitrailler sous toutes les coutures. C'est lui-même qui met en place le pot de fleurs. Enfin, il y a toute une mise en scène de la proximité, de l'accessibilité, de la décrispation. C'est comme ça qu'il avait qualifié sa présidence. Et ça, ça paraît très important. Vous voyez, la montre, hein, comme moi, il met sa montre. Comme moi, il dépasse son temps, certainement. Et voilà. Le style Giscard est né. Avec l'arbre de Noël de l'Élysée, alors ça existait avant lui, mais il en fait. Alors notamment lors d'un arbre de Noël de l'Élysée, alors ça c'est avec son labrador. Alors j'ai la liste. C'est pas un labrador. Ah non, c'est pas un labrador. Moi j'ai une bêtise. Mais c'est le premier, je crois, qui a eu. C'est un chien. On est d'accord, ça c'est sûr. Et encore. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le premier à avoir un labrador qui s'appelle Jugurtha. Qu'ensuite, il y a eu Mitterrand a eu Baltique, Chirac a eu Machou, Sarkozy a eu Clara et Hollande Filalé. Je suis pas sûr que Emmanuel Macron. Filalé aussi. Vous êtes beaucoup plus compétent que moi. En l'occurrence, à la place du chien, il y avait Mireille Mathieu. Et alors, lors de ces arbres de Noël, Giscard ne dédaignait pas de pousser la chansonnette et la célèbre chanson de l'époque, La pêche aux moules, de Jacques Martin. Il avait chanté la chanson de la pêche aux moules. C'est-à-dire que la démagogie ne faisait pas peur à Valérie Giscard d'Estaing. Alors, très important aussi, l'innovation des vœux. Alors c'est pour le 31 décembre 1975 que Giscard tente cette innovation des vœux à deux avec Anémone, totalement coincé, et ça ne marche pas du tout, et ça sera abandonné. Mais là aussi, ça faisait partie d'une nouvelle image de promotion de la femme. Alors n'oublions pas quand même que Valéry Giscard d'Estaing, c'est tout un ensemble de grandes réformes sociétales en 1974, le divorce, consentement mutuel, etc., un progrès très important, la majorité de 21 à 18 ans, et bien sûr l'IVG, avec Simone Veil, ministre de la Santé, et j'oublie Françoise Giroud, première secrétaire d'État à la Commission féminine, ça ne s'est pas toujours très très bien passé, mais elle était l'emblème de cette féminisation du pouvoir. Ça, en l'occurrence, ça ne s'est pas très bien passé. On les voit ici en forme de Brégançon, où alors, va se passer une scène en 1976 tragique, qui est l'invitation du couple Giscard d'Estaing adressée au couple Chirac. Et Valérie Giscard d'Estaing reçoit Jacques Chirac en s'asseyant sur un fauteuil qui surplombait le siège des Chirac, et en présence du professeur de tennis. Les Chirac l'ont très peu supporté, ou du moins, ça a été un des prétextes qui a été donné par Jacques Chirac pour quitter son poste de Premier ministre, qu'il occupait depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. La réalité était tout simplement que, dans la compétition que se livraient les gaullistes et les giscardiens, Chirac a voulu prendre de la distance et essayer justement de profiter de l'affaiblissement de Giscard confronté à la crise. À partir de 1973,
pour justement devenir l'homme fort de la droite. Le prétexte de Brégançon n'a été justement qu'un prétexte. Brégançon, que Giscard est le premier à avoir vraiment, je dirais, apprécié, et l'un des seuls d'ailleurs, parce que De Gaulle avait détesté le fort de Brégançon, il y avait des moustiques et un litre au petit. Donc ça vous n'aimait pas non plus. Mais Giscard aimait bien, il se montrait, il allait à la messe, à bord les mimosas, saluer la foule, c'était un moment important pour lui. Alors, moment important aussi, le dîner chez les Français, à partir de janvier 75, à plusieurs reprises, ça a été, une vingtaine de fois, il s'invite à dîner chez les Français, ou plutôt les Français lui envoient des invitations, et on voit Giscard d'Estaing, venant de la très grande bourgeoisie française, héritier de l'amiral d'Estaing, qui fait pas tout, qui se rapproche de ces Français qui l'ont élu, comme il en avait véritablement la volonté, le souci d'être un président à l'écoute de son peuple. Et puis alors, autre élément chez Giscard, de cette transformation, cette manière affective de cultiver le couple franco-allemand. Bon, il y avait eu De Gaulle et Adenauer, il y avait eu Pompidou et Willy Brandt, qui s'entendaient, qui s'étaient bien entendus aussi, mais là, ce sont vraiment deux amis. Le couple que forment le social-démocrate Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, qui n'ont pas les mêmes idées politiques, pas si différents que ça d'ailleurs, mais ce couple était vraiment très tout à fait marquant, et vraiment sur des bases affectives. Lorsque Helmut Schmidt est mort, il y a eu vraiment, Giscard était en deuil. Lorsque Giscard gagne les élections de 78, où il partait battu, la droite gagne les élections, le premier à l'appeler pour le féliciter, c'est quand même un paradoxe, c'est le social-démocrate Helmut Schmidt, qui se réjouit de l'échec des socialistes, socialo-communistes français. C'est paradoxal. Bon, alors le couple franco-allemand est cultivé à la mode amicale, et puis le dialogue avec les grands est lui aussi décrispé. Et l'on voit, lors de ce grand sommet avec le président américain Gerald Ford, celui qui était réputé pour tomber des escaliers à plusieurs reprises, on les voit siroter, c'était aux Bermudes, ou en tout cas c'était sous les tropiques, avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean Sauvagnargues, parce que vous avez une moustache, on voit, je pense que c'est Edward Kissinger qui est de dos, Henry Kissinger, qui était resté, je pense, avec Ford, eh bien, on les voit là dans une situation, n'est-ce pas, tout à fait décontractée. C'était le style que cultivait, là encore, et qui rapprochait finalement du style américain, qui avait beaucoup impressionné, il faut le rappeler, Giscard, lorsqu'il était ministre. Je crois que c'était déjà. Est-ce qu'il était encore ministre ou secrétaire d'État? Au tout début de sa carrière, il est ministre, secrétaire d'État à partir de 1959. Il est envoyé à Washington. Il rencontre John Fitzgerald Kennedy. Il est totalement fasciné par Kennedy. Et donc, il voudra devenir le Kennedy français. Il voudra devenir le Kennedy français. Comme d'ailleurs, lors de. Mais c'est un retour en arrière. En 1965, Jean Le Cannet, le candidat du centre, qui voulait aussi être le Kennedy français. Et ça a beaucoup influencé les présidents, enfin les hommes politiques de cette époque. Mais alors, il y a aussi l'amitié ou le rapprochement avec l'Union soviétique. Et là, Leonid Brejnev était déjà en fin de parcours. Derrière lui, je crois que c'est Gromyko qui était là. Mais ce rapprochement avec l'Union soviétique a beaucoup servi à, justement, à Jacques Chirac. Et il y a ce fameux appel de Cochin en 1979. Jacques Chirac a eu un accident d'auto, il est hospitalisé, et depuis son lit d'hôpital, il lance un appel contre ce qu'il appelle le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger, c'est le parti de Giscard, l'UDF, né en 1978, l'UDF, qui fait le jeu de l'Union soviétique. L'accusation était quand même grave, forte, et qu'il... Il accuse au fond Giscard d'Estaing de brader l'indépendance de la France que lui, le gaulliste Chirac, défend, le texte ayant été rédigé par les âmes damnées de Chirac, qui étaient Marie-France Garraud et Pierre Chéry, ceux qui avaient eu la peau de Jacques Chaban-Delmas.
Alors, bon, ce qui évidemment est fatal à Giscard d'Estaing, en tout cas qui a beaucoup nui à son image en fin de règne, c'est évidemment cette histoire des diamants de l'empereur Bokassa. Bon, c'est petite, c'était pas véritable. Enfin, bon, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, s'il y avait vraiment matière. On sait qu'il y a eu une vengeance de Bokassa envers celui qu'il avait d'abord soutenu, qui avait fait de lui l'empereur de Centrafrique, et puis qu'il avait lâché ensuite. Mais en tout cas, cette affaire a fait du mal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, disait Thierry Boulogne. On se souvient que pendant la campagne de 81, lorsque Giscard se représente, certains petits plaisantins viennent mettre coller des petits diamants sur les yeux des affiches de Giscard. Et l'on sait d'ailleurs que ceux qui ont fait ce type de d'affichage sauvage étaient plutôt des militants du RPR de Jacques Chirac. Car vous savez aussi qu'entre les deux tours de l'élection de 81, Jacques Chirac rencontre François Mitterrand, je pense même que c'était avant. Il rencontre François Mitterrand et chez Nick Cresson et se prépare la chute de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection de 1981 et disparaît ce président de la modernité qui ensuite aura beaucoup de mal à le redevenir. Lui succède évidemment alors je passe très vite, hein, pardon, mais je remonte le fil du temps, celui que j'appellerais le président des symboles. Je crois que finalement, ce qui caractérise les présidences de Mitterrand, qui est à ce jour le plus long président français, parce qu'il a fait deux septennats, c'est le goût du symbole. Ça a toujours été son obsession. Je passe sur son élection en 81. Je suis l'homme du passé. J'ai été ministre 11 fois sous la 4e République. Mais vous êtes le président du passif. La revanche que vous n'avez pas le monopole du cœur en 1974. Et alors, très intéressante cette affiche de campagne, parce que c'est pas du tout une affiche de campagne de gauche. C'est une affiche dont on va s'apercevoir, d'ailleurs pendant la campagne, les conseillers de Mitterrand, qu'elle ressemble beaucoup à des affiches du maréchal Pétain, hein, avec ce petit village et le clocher. C'est la force tranquille, tout ça évoque quelque chose de rassurant, d'enraciné dans le terroir, ce qu'était aussi François Mitterrand. On est des Charentes, une vieille famille de Charentes qui était enracinée dans cette culture chrétienne et rurale. Mais il faut savoir que cette affiche avait été proposée par les communicants de l'époque à Giscard. Giscard l'avait refusée, préférait une autre, et que c'est finalement Mitterrand qui l'a acceptée. C'est quand même un paradoxe que ça soit ce candidat de l'Union de la Gauche qui portait quand même 100 000 propositions extrêmement fortes, la nationalisation de 15 grandes compagnies, les plus grandes compagnies françaises, des banques, des assurances, la semaine de 39 heures, les congés, enfin, l'extension des congés payés, plein de choses comme ça, les lois Roux. Et bien tout ça passe grâce à la force tranquille de François Mitterrand. Les symboles. Alors, ça, c'est la fameuse revanche arbitrée par celle qui est devenue une amie, qui est Michel Cotard, et puis Serge Moati, qui était le conseiller de Mitterrand, conseiller image, Badinter, qui est son conseiller politique, et puis alors Jean Boisselin, qui va, avec Michel Cotard, animer le débat. Là on voit une sorte de Giscard qui fixe un peu les modalités. En réalité, ça a été très, très discuté et ça a été le fruit d'amères discussions. Bref, le Mitterrand, alors c'est aussi l'orateur, grand orateur qu'était François Mitterrand, ce qui nous permet quand même, en 1981, de prendre l'avantage avec la fameuse rose imposée sur le pupitre, qui était ensuite brandie et qui était le signe de l'international socialiste. Et puis de cette campagne de François Mitterrand. Et c'est très frappant de voir comment François Hollande, en 2012, a récupéré les tics, hein, de langage, la manière de se positionner sur le public qui était celle de Mitterrand. L'élève n'est pas toujours à la hauteur du maître. Et alors, avec Mitterrand, il y a aussi à souligner quand même la complicité politique avec sa femme dans la campagne de 81. Bon, on sait très bien ce qui était la réalité du non-couple Mitterrand et Mitterrand à l'époque, puisqu'ils étaient séparés, que lui vivait une double vie
avec la maman, avec Anne Pinjot. La petite Mazarine était née en 1974, si je ne m'abuse. Et Danielle Mitterrand, elle avait déjà, à ce moment-là, commencé l'idylle avec le chauffeur de la famille. Mais en même temps, il y avait cette complicité politique qui faisait aussi la spécificité du couple Mitterrand. Alors, complicité, d'ailleurs, qui, à l'Élysée, a été très encombrante pour François Mitterrand, car Danielle Mitterrand avait un bureau à l'Élysée et avait un tropisme politique qui la poussait vers des pays comme Cuba et autres, un peu dont l'amitié était un peu encombrante pour François Mitterrand, et à certains moments, les responsables de la diplomatie française s'arrachaient un petit peu les cheveux, Roland Dumas le premier. Alors, bon, les symboles, c'est la Bastille, la Révolution recommence, hein, parce que la Bastille, c'est quand même le symbole de la Révolution française, et cette grande fête... partie orchestrée par Jack Lang, et puis une deuxième fête qui est encore plus originale, mais qui montre bien, c'est 11 jours plus tard, le 21 mai, là, Jack Lang est aux commandes et organise l'auto-panthéonisation de François Mitterrand, qui entre seul au Panthéon et dépose des fleurs, des roses, sur les tombeaux de Victor Schoelcher, de Jean Moulin et de Jean Jaurès. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc le socialiste Jaurès, le grand républicain Schoelcher, abolition de l'esclavage, et Jean Moulin, la résistance. C'était la manière de François Mitterrand de s'enraciner dans l'histoire, sa manière de s'intégrer dans cette histoire symbolique, de se présenter aussi comme une figure d'exception, ouais, parce que cette image elle est quand même tout à fait spectaculaire. Alors, vous savez que pour la petite histoire, il entre dans la crypte et ne connaît pas le chemin, et que Serge Moati, qui a orchestré, me l'a raconté, avait placé des hommes derrière les hommes à lui, derrière chaque colonne, et faisait signe à François Mitterrand, sauf qu'à un moment, ils se sont trompés, et que Mitterrand s'est plus ou moins perdu, qu'on avait totalement perdu le président, il y avait un noir à l'image, c'est-à-dire qu'on voyait juste les caveaux du Panthéon, sans voir le président. Bon, alors ça, c'est vraiment le goût du symbole présidentiel, l'inscription dans l'histoire, toujours l'inscription dans l'histoire, le fameux pèlerinage à la roche de Solutré, parce que c'est une référence à la fois à l'histoire, presque à la préhistoire hein, de français, à l'histoire des Gauloises, à l'histoire religieuse aussi, parce que ça se passe à la Pentecôte, parce qu'il y a le symbole aussi de ce qu'on gravit, et ce qu'on gravit collectivement, avec l'entourage, c'est-à-dire Roger Hanin, le beau-frère, Pascal Sevran, Jack Lang, et les autres. C'était toujours ce rituel très important pour François Mitterrand jusqu'à la fin, mais à la fin il n'était venu qu'à mi-pente où il s'était fait transporter une grande partie du chemin, mais ça faisait partie aussi du goût des symboles. Ça rejoignait d'ailleurs la force tranquille, hein, de l'affiche de la force tranquille. Alors goût des symboles aussi, la politique extérieure, Sarajevo 1982, Sarajevo... capitale de la Bosnie, sous les snipers, sous les tirs des snipers serbes, et François Mitterrand qui vient sous l'impulsion de Bernard Kouchner, qui n'avait pas de responsabilité ministérielle, si je ne m'abuse, avec les casques bleus, mais qui dit bien... Mais c'est pas 82. Ah, si, je crois que c'est 82. Si. J'en suis quasiment... 12, pardon. Autant pour moi, 92. Bien sûr, oui, là... 82, il n'y avait rien encore. Il s'était encore rien passé, puisque ça vient forcément après la chute du bloc communiste. Donc c'est en 92, et Mitterrand qui refusera néanmoins, de, contrairement à ce que lui demandait BHL, Henri Lévy, d'engager les hostilités contre la Serbie, hein, préservant l'identité historique aussi des Serbes. Important pour François Mitterrand. Mais ce qui m'intéressait là, c'était le goût du symbole à chaque fois, hein, même si c'est, comme vous avez raison de le dire, en 92. Autre symbole, Verdun, l'ossuaire de Doulmont en 84, avec Helmut Kohl, hein, et la fameuse, alors là, ils se tiennent par le bras, mais il y a cette fameuse scène par la main. Bon, ça fait partie aussi de cette symbolique.
l'Europe, mais à travers le symbole et cette liaison presque contre nature entre le chrétien-démocrate Helmut Schmidt et le socialiste François Mitterrand. Et pardonnez-moi, j'ai pas dormi cette nuit. Excusez les lapsus, les erreurs de là. Je suis un peu. Alors, les symboles, c'est aussi le bicentenaire de la Révolution française, dont le président était d'abord Edgar Faure, puis il est mort en cours, et ça a été Jean-Noël de Chalmenet, si je ne m'abuse, historien. Et puis alors cette grande fête du 14 juillet, mise en scène par Jean-Paul Goude, je crois que c'était Barbara Hendricks qui chantait la Marseillaise. Bon, ça a été une très grande fête, et le prétexte pour François Mitterrand à organiser un G7 et à apparaître justement comme au cœur du monde, une grande puissance mondiale qui était la France de François Mitterrand. Mais évidemment, les vies cachées de François Mitterrand et l'année 1994, qui est fatale à François Mitterrand, en tout cas, qui va accélérer le crépuscule de sa présidence, parce que c'est l'année où Pierre Péan publie un ouvrage sur la jeunesse de François Mitterrand, une jeunesse française, je crois que c'était le titre, et où l'on commence à parler de son rôle à Vichy, de sa proximité avec les Croix de Feu lorsqu'il était jeune, et puis surtout alors de ce fameux René Bousquet, c'est-à-dire la police de Vichy, l'homme de la rafle du Val-d'Ile, qui était ici reçu à Latché par les Mitterrands, et donc de rester très longtemps un ami des Mitterrands. René Bousquet, lorsqu'il était un homme d'affaires dans les années 50, avait aidé les campagnes de François Mitterrand, les campagnes électorales de François Mitterrand sous la 4e République. Bon, c'est une des raisons aussi de leur proximité. Et puis, alors évidemment, le dévoilement de Mazarine, dévoilement autorisé par François Mitterrand, je pense que c'était pour Paris Match, je me souviens plus, c'était pour Paris Match ou Grélard. Enfin, bref, en tout cas, à la sortie d'un restaurant parisien, je crois que c'était Paris Match à l'époque. Bon, tout ça a jeté l'ombre. Et puis évidemment, hein, j'ai réuni les trois, là, les trois, bon, le cancer de la prostate, dont il était atteint depuis le début, hein, et qui, dont on voit les stigmates sur son visage. Et alors, son successeur, qui lui aussi aura un AVC, et puis lui aussi finira malade et très affaibli, son ça c'est une caractéristique, c'est l'opacité présidentielle, mais qui pose des tas de problèmes, parce que faut-il dévoiler la maladie d'un président lorsque on est en 5e République et où la fonction présidentielle doit être une fonction quelque part anormale et surhumaine et doit incarner la continuité de l'État. Si le président est encore en mesure d'exercer l'étendue de ses pouvoirs, ça pose de vraies questions. Faut-il dévoiler ou au contraire garder le secret? Moi, je n'ai pas la réponse ici. Alors évidemment, il y a le président sympa, comme ça que je vais caractériser, puisque incontestablement, c'est l'image qui va se dégager de Jacques Chirac, qui avait d'abord eu la campagne, croquer les pommes. On sait que ça avait beaucoup joué dans cette... Chirac, au fond, successeur auto-désigné d'ailleurs par François Mitterrand, qu'il avait adoubé lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville quelques mois avant son départ, en lui disant « bon, c'est votre tour hein ». C'est ça qui est intéressant, c'est que François Mitterrand avait choisi plutôt Chirac que Balladur, ça c'est une évidence, peut-être plutôt Chirac que Jospin, car comme toujours, un grand président, un grand monarque ne peut pas avoir de successeur. Le successeur doit être un adversaire. Alors, bon, Chirac, Chirac au salon de l'agriculture, les images se passent de commentaires, on a toujours parlé de Chirac, va-t-on cul des vaches, c'est très célèbre, goûtant à chaque produit régional, là c'est de la bière, parce que malheureusement, il était plutôt bière que vin. Il était réputé pour ça. C'est aussi l'image du bon grand-père, puisque naît pendant sa présidence son petit-fils, le fils de Claude, qui était sa principale communicante. Et on voit Claude tenant dans ses bras le petit Martin, fils du judoka Ray, dont j'ai plus le prénom non plus. Thierry. Et moi, avec vous,
on arrive à bien se compléter. Alors y compris le look chiracien, qui est un look pépère, enfin la chemise un petit peu qui sort, les mocassins, les pieds nus dans les mocassins. Il y a aussi la fameuse anecdote de la photo volée au fort de Brégançon où il est en scène. Ah oui. Donc voilà, tout ça contribue, de même que ces liens avec Bill Clinton. Alors là, quand même que je donne quelques petites précisions, ça se passait avec Clinton, cette... oui, alors, c'est sans doute... Lors d'un sommet franco-américain, comme il y en a eu plusieurs à l'époque, mais il y a surtout un dîner où il invite les Clinton, où le couple Chirac invite les Clinton dans un petit restaurant parisien qui s'appelait l'Ami Louis, et il y a eu vraiment une forte proximité entre les deux. Lorsque Clinton est parti en décembre 2000, il a dit que... Enfin, Chirac lui a amené un cadeau et Clinton a dit « Bon, mais mon cher Jack, je te souhaite le plus grand succès. » Il y a vraiment un lien qui s'était créé entre les deux. Vous avez peut-être d'autres points communs, d'ailleurs. Même si Chirac n'était peut-être pas réputé pour son goût des cigares, mais... Alors voilà, la convivialité, ça c'est chez l'Ami Louis avec Clinton, et il arrive, bon. Et puis là, c'est avec Helmut Kohl, là aussi, où ça s'est très bien passé, dans une Weinstube de Strasbourg, où ils ont mangé le plat préféré d'Helmut Kohl, la panse de porc farci. On est assez loin des raffinements de Saint-Pétersbourg. Mais c'était quand même... Tout ça, c'est l'image de Jacques Chirac, l'image de la convivialité... On aurait pu le montrer serrant les mains. Vous savez que Jacques Chirac avait coutume de se déplacer avec des petits pansements sur les doigts, hein, parce qu'il savait qu'il allait serrer les mains, et il avait toujours des photos dédicacées, hein, qu'il distribuait aux Français. Alors, il était capable aussi de marquer, mais là encore, hein, cette différence française, fameux coup d'éclat à Jérusalem, visite à Jérusalem, il se sent dans le Jérusalem arabe, et où il est corseté par les services de sécurité israéliens, et donc je sais plus la phrase exacte, parce que là encore je suis fatigué, mais si vous continuez, je vais... Mais qu'est-ce qu'il a dit en anglais? Dans son mauvais anglais... Je vais rentrer chez moi. Enfin, ouais. Mais c'est aussi la marque d'une diplomatie qui ne veut pas être une diplomatie pro-américaine, donc pro-israélienne, qui est une diplomatie autonome. Hein, et cette préservation de l'indépendance française qui a toujours été le point cardinal. Là, en revanche, c'est le jardin secret de Jacques Chirac. Il a quand même fait 45 voyages au Japon pendant son... On disait même qu'il y avait un fils caché, d'autres disaient qu'il y avait de l'argent caché. Ça, c'est peut-être aussi des fantasmes. Hein. Mais là, la passion de l'Orient est réelle chez Chirac. L'expertise, la passion des sumo, hein, là aussi, il était capable de tuer père et mère pour une partie, pour un spectacle sumo. Et puis les arts premiers aussi, c'est grâce à lui qu'il y a ce fameux magnifique musée du bouquet Branly. Là, on le voit avec le secrétaire général de l'ONU, salon des aborigènes, et puis c'est ce goût des arts premiers qui a toujours été sa caractéristique. Et ce contraste, parce que l'image de quelqu'un qui est un peu très direct, brut de décoffrage, et en même temps qui est un véritable savant en matière de culture orientale ou d'art exotique. Alors, Jacques Chirac laisse place à celui qu'il avait poignardé en soutenant Balladur en 93, qui avait aussi fait briser le cœur de Claude Chirac, qui avait été à un moment l'ami, et qui est donc Sarkozy, alors là ça s'imposait, l'hyper-président, j'aurais pu appeler le président des postures aussi, parce que je pense que ça, c'est beaucoup dans l'image qui était celle de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a d'abord l'image d'un conquérant. L'image de Nicolas Bonaparte, celui que ça s'appelait Sarko-Léon,
d'autres Napoléon, ça c'était plus Dominique de Villepin qui l'appelait comme ça. Et cet ouvrage qu'avait publié Alain Dunamel, qui s'appelle La Marche consulaire, dans lequel il comparait, et Le Point avait gracieusement publié les extraits de cet ouvrage, en oubliant que j'avais fait un autre que, les hommes providentiels auxquels j'avais montré de manière historique en quoi Nicolas Bonaparte était l'héritier de cette tradition des hommes providentiels, mais d'autres artistes dont je ne vais pas me plaindre ici. Voilà, on a cette image. Alors vous savez qu'il y a eu une autre image cruelle à la fin de la présidence de Sarkozy, qui était dans The New Economist, je pense dans un journal américain britannique, dans lequel on le représentait. Alors cette fois, on voyait le bicorne de Napoléon, et puis des petits pieds qui dépassaient, pour montrer qu'il n'allait pas du tout à la hauteur de son enfant. C'était méchant. Mais incontestablement, l'hyper-présidence, ça c'est très important, parce que avant l'élection, il théorise le fait que le Premier ministre n'est qu'un collaborateur. Ça veut dire que le président va être aussi un Premier ministre, donc il va réagir sur toutes les questions, être sur tous les fronts et être un hyper-président. Et c'est une des raisons aussi de l'échec de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a quitté cette fonction présidentielle, cette distance présidentielle. Bon, Giscard s'en était chargé le premier, mais dans l'effectivité institutionnelle, dans la pratique institutionnelle, c'est Sarkozy qui véritablement oublie ce qu'est le rôle du président, qui doit être un arbitre, un chef de l'État, quelqu'un qui prend une distance par rapport au rôle primo-ministériel, mais il faut le dire, avec l'acceptation à l'époque de François Fillon, qui ensuite s'en est pas mal mordu les doigts. Bon. Alors, la force des images, et je parlais tout à l'heure de Bonaparte, ça c'est pendant la campagne, vous avez cette kyrielle de journalistes coincés sur leur petite charrette, qui suivent l'idole, à cheval en Camargue avec NKM, plus tard les relations se sont refroidies, et c'est l'image, en fait, de Bonaparte qui caracolait sur ce cheval blanc au pont d'Arcole. Enfin, on a des images comme ça qui sont récurrentes. D'ailleurs, les conseillers de Sarkozy ne s'en cachaient pas à l'époque. Hein. Il y avait des similitudes. Alors, les images, c'est aussi l'image de la publicisation du corps privé. Alors là, on est aux antipodes du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'au contraire, on fait de la vie privée une partie intégrante du récit présidentiel, du récit public. Là, évidemment, après la rupture avec Cécilia, il y a cette image, alors qui fait rêver, parce que elle est belle, elle est mannequin, elle s'appelle Carla Bruni, ça se passe en Égypte, sur le Nil, croisière amoureuse sur le Nil, on a visité aussi les tombeaux des rois, etc. Mais il y a cette image, très bling-bling, très caractéristique, la fameuse formule avec Carla Séduserie, suivie par le mariage en février 2018 au palais présidentiel, à l'Élysée. Hein, le mariage, c'était le maire du 18e arrondissement, l'arrondissement de l'Élysée, qui les a mariés. Du 8e. Rachida Dati, je crois qu'elle était. Je ne sais pas si Rachida Dati était là. Elle était plus proche de Cécile. Là. Il y a la visite au Vatican, toujours. Mais, alors, la visite au Vatican, avec toujours le petit, comment dire, la petite dérive privée ou la privatisation du corps public, c'est-à-dire Jean-Marie Bigard qui était là, et puis surtout, le plus grave, le discours du Latran, où il instaure une sorte de, comment dirais-je, de supériorité du prêtre sur l'instituteur, et sort, ce faisant, de la laïcité, du cadre laïque d'un président de la République, et ça a suscité une très grosse polémique à l'époque, parce que c'était, là encore, on s'écartait un tout petit peu du champ présidentiel. Donc ça, c'est aussi les caractéristiques de Nicolas Sarkozy. Alors à Buckingham, évidemment, avec Carla, qui séduit le prince consort. Si du moins la reine qui est...
Mais le duc d'Édimbourg était grand. Bon, ça fait partie toujours de ces images très bling-bling qui, d'une certaine manière, ont contribué à la popularité de Nicolas Sarkozy, mais qui deviennent aussi des fardeaux. Et pour ça, j'ai voulu construire entre des images qui construisent une image, qui construisent une notoriété, et d'autres qui vont la détruire. Parce que le Fouquet, le soir de son élection, avec ses gens du showbiz ou ses grands patrons, bien ça a été très mauvais pour l'image de Nicolas Sarkozy. À partir de là, il était le président du Bling Bling et le président des riches. Président du Bling Bling. Alors là, il n'est pas sur le yacht de Bolloré, mais il est... Et alors là, on est encore avec Cécilia et Rachida. Lors des vacances à Walborough, dans le New Hampshire, je crois, au mois d'août 2007, et on apprend qu'il est dans un hôtel de luxe qui coûte enfin, des sommes faramineuses. Ce qui, au fond, n'a rien de choquant parce qu'il devait y être invité, et après tout, il est le président de la France, mais qui entretient cette image voilà, d'un président qui est très très loin des Français moyens. Très loin de l'image de Pompidou lisant des livres dans sa propriété, de Chirac en charentaise ou en slip sur les pattes. Bah, on est très loin de cette image. Et puis alors, les conflits avec des agriculteurs au sein de l'agriculture, le fameux casse-toi pauvre con qui est très grave à mes yeux, toujours des choses que j'ai dit et redit à la télé quand on m'a interrogé là-dessus, parce que le casse-toi pauvre con casse totalement la distance, le surplomb présidentiel, et vous met au niveau rhétorique, au niveau langagier du français moyen, et c'est très mauvais. Vous pouvez discuter, et un président du XXIe siècle doit être capable de discuter avec les autres, comme l'ont fait la plupart, d'ailleurs, sauf De Gaulle et Pompidou, mais vous ne pouvez pas, dans le langage, justement, être dans la trivialité. Donc voilà cette image, on voit bien que là, il n'est pas... Oh, autre image désastreuse. Voilà, la fameuse tente climatisée dans le parc de l'hôtel de Marigny pour Kadhafi, qui était quand même un des plus grands meurtriers enfin, de l'Afrique du Nord, le dernier grand dictateur d'Afrique du Nord. Et même Ramayad conteste l'avenue de Kadhafi, et on sait la suite, l'intervention en Libye en 2011, et puis ce qui s'est passé ensuite, la question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, voilà, je passe au président normal, qui est escorté, là aussi, scène quand même très troublante de Valérie Trierweiler qui force à lui faire un bisou le soir de son triomphe. L'accordéon, bah, c'est l'accordéon corrézien, c'est le tropisme chiracien de François Hollande, soutenu par Jacques Chirac d'ailleurs pour son élection. Oui, parce que face à Sarkozy, il ne pouvait que soutenir François Hollande. Mais dès le portrait... Je ne vais pas montrer le portrait de tous les présidents. Ce portrait-là est déjà une faute de goût, ne serait-ce que parce que j'ai l'impression que les manches sont un petit peu courtes. Mais parce que ça pourrait être n'importe qui dans le jardin de l'Élysée. Ça n'est pas le locataire, ce n'est pas l'occupant du jardin de l'Élysée. C'est un monsieur normal dans le jardin de l'Élysée. C'est voulu comme tel par François. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une incompréhension de ce qu'est fondamentalement la fonction présidentielle sur la 5e République. Ça se comprend, parce que la culture de gauche, la culture socialiste, y a toujours été hostile, mais Mitterrand lui avait compris qu'il fallait endosser les habits d'un président de la 5e, ce que n'a pas compris François Hollande, et ça l'a poursuivi toute sa... Là. Alors, de la même manière, vacances normales, normaux jusqu'au bout du maillot, voilà le commentaire. Alors un petit peu de bidon, etc. Mais comme tous les Français, c'est normal, comme tous les présidents. Mais on ne se montre pas comme ça. Au moins Giscard se montrait en majesté. Comme, ou comme l'avait fait Dominique de Villepin pour humilier Nicolas Sarkozy. À la boule. Alors là,
C'est aussi une erreur. D'ailleurs, on lui a reproché d'être parti trop tôt en vacances, après avoir été élu président, d'avoir pris le TGV, ce qui avait été plus compliqué en fait que de prendre un avion présidentiel. Il y a la malchance de la République. Mais on peut quand même se demander pourquoi il n'y a pas eu quelqu'un dans les services présidentiels qui nous dire « Mais mettons-lui un parapluie, les hommes d'image, toutes ces rayons, etc. » Parce que là, évidemment, on a la réduction de la majesté présidentielle à la vulnérabilité aux éléments. Et c'est ça qui est fatal lorsque ça se reproduit et que c'est en le corollaire de certaines hésitations, d'un certain manque d'autorité par rapport à ces ministres. Je ne vais pas vous faire l'historique de la présidence de François Hollande, mais on sait bien qu'à plusieurs reprises, il y a eu comme ça des difficultés, d'abord dans le gouvernement Hérault, surtout dans le gouvernement Hérault, à gérer les égaux des ministres, puis ensuite, il y a eu le départ sous le gouvernement de Valls de Montebourg et de Hamon. Tout ça marquait une incapacité à tenir ses troupes, à tenir les frondeurs du Parti Socialiste. Et c'était, au fond, le corollaire de cette image de vulnérabilité qu'il présentait. C'est en cela que les cibles. La faute, à mon sens, là aussi primordiale, parce que pour moi, c'est un peu l'équivalent du casse-toi pauvre con de Sarkozy. Qu'il ait une aventure, qu'il ait une liaison, ils en ont tous eu, jusqu'à présent. Oui, je ne vois pas d'excès. Non, sauf Pompidou, pardon. Mais les autres avaient tous des maîtresses, etc. Mais comme ça, se dévoiler, plutôt mal se protéger sur un scooter, en allant à la dérober comme ça chez sa maîtresse, évidemment, l'effet est désastreux et ramène, je le répète, le président à hauteur de ce qu'il veut. Un homme comme les autres. Alors il reprend de la hauteur en essayant justement de renouer avec la pratique de la conférence de presse, avec les Hollandettes, là. Mais puisqu'il y avait eu les jupettes à l'époque, mais ça n'a pas pris et il n'était pas à la hauteur. Il y a eu quand même le chef de guerre, l'image du chef de guerre, qui périodiquement revient chez nos présidents lorsqu'il s'agit de redonner un peu de hauteur. Et au Mali, effectivement, il a toujours dit d'ailleurs que c'était les heures les plus agréables de sa présidence, en 2013, si je ne m'abuse, où il est reçu comme le libérateur du Mali, face au Boko Haram et les groupes islamistes du Mali. Donc ça a été un moment où il a retrouvé un peu de sa splendeur présidentielle. Il l'a retrouvé aussi au moment des célébrations de 2015. Je ne sais plus, c'est 2014 pour le débarquement, ou 2015, mais c'est pour le débarquement, 2014, grande cérémonie, un petit peu décalée quand même par rapport à la figure qui était désormais installée de ce président normal. Il y a eu surtout cette image, les images sont dans le livre, c'est pour ça que cette image a une signification parce que c'est au lendemain des attentats à Charlie. Donc, où le monde entier se retrouve en France et où il y a une sorte d'émotion qui se dégage du couple franco-allemand, même s'il y a eu des tensions entre les deux, là, il y a quelque chose qui... Et on peut dire qu'à ce moment-là, il a été à la hauteur de notre histoire, les discours qu'il a fait, la manière dont il a géré cette affaire, montrer que c'était quand même quelqu'un qui avait compris un certain nombre de choses. Mais évidemment trop tard et en décalage avec ce qu'avait été sa présidence trop normale, justement. Et le suicide électoral, le montage n'est pas de moi, c'est ce fameux livre clos, franchement, sa présidence, sur une fausse note. Parce qu'un président ne devrait pas dire ça. Des confessions dont on apprend qu'elles ont été régulières, qu'elles se sont passées vraiment de toi à moi, dans l'intimité avec des journalistes du Monde qui n'ont eu de cesse justement que de trahir la fin et de publier des passages qui ne souhaitaient pas forcément voir publiés. Bref, ça a été une catastrophe et l'une des raisons fondamentales de sa non-candidature en 2017. Un véritable suicide politique qui tenait justement à la méconnaissance, à l'incompréhension, je le répète, de la distance nécessaire telle que Gérard de Gaulle avait formulé, lui, en tant que militaire,
l'autorité ne va pas sans la distance et sans le mystère. Il faut qu'il y ait une distance, et c'était l'inverse. Là, c'est confession, je dirais, sur le vif, au jour le jour, mangeant un sandwich avec des journalistes, ben, montrer qu'au fond, qu'il était leur égal. D'ailleurs, tous vous le disent, hein, ceux que je fréquente un petit peu, qu'ils avaient le portable, évidemment, de Hollande, qu'ils le tutoient et que c'était en permanence des dialogues. Il ne lui disait jamais non lorsqu'un journaliste le sollicite. Ça n'était pas du tout ce que devait faire un président, me semble-t-il. Et c'est ce que ça se conclut, le petit président, là, le président du renouveau. Alors, renouveau parce que renouveau... Moi, je me situe dans le renouveau du style présidentiel. Vous avez compris que là, il y a un vrai renouveau, au sens de je reprends les choses et je les mets au goût du jour. Il y a le renouveau du symbole, c'est incontestable, la première cérémonie, pyramide du Louvre, lieu créé par François Mitterrand, l'arrivée solitaire très mitterrandienne. Il reprend le symbole mitterrandien, c'est très très clair. Ce sera un président du symbole. C'est aussi évidemment un président de l'image. Là aussi, lui, il est dans son bureau, hein, mais un bureau, comme on est dans la modernité, qui est quand même ouvert vers le futur, il y a les livres, comme pour le général de Gaulle, il y a l'horloge, tant qu'on y passe, hein, et la nécessité d'aller vite. Hein. C'est riche de symboles, c'est lourd de symboles, et c'est présidentiel. Il s'appuie, il regarde vers la caméra, il n'y a pas un pli qui dépasse. Hein. On est loin de l'image de François Hollande. Je ne fais pas d'échelle de valeur entre les deux hommes. Mais simplement, en termes d'image, on a l'image d'un vrai président. Il s'appuie sur son bureau, là, qu'il est un peu moderne, ça n'est plus, il n'est plus l'habit du général de Gaulle, mais il est quand même dans la force, dans l'autorité, dans le dynamisme présidentiel. Après, les résultats sont ce qu'ils sont. Hein. Alors, de la même manière, le couple présidentiel est un vrai couple. Ça n'est plus, évidemment, c'est le contraire d'Yvonne de Gaulle. Cette dame est le contraire d'une femme effacée. Leur couple est totalement atypique. Avoir une dame qui est plus âgée que son mari, même dans la société française de 2018, ça reste encore quelque chose de rare. Mais ce couple-là, dans son intégrité, dans sa solidité, dans son union même, est quelque chose qui renoue avec la force de ce qu'était le couple gaullien. C'est incontestable, il y a là un vrai couple présidentiel, même si, je répète, la manière de se dévoiler, de se surexposer, là est beaucoup plus giscardienne ou sarkozyste, mais il y a ce couple-là qui se met en place. Alors il y a aussi cette première, cette exception de ce message adressé, c'est pas un message, ce discours au Congrès qui vient quelques jours après l'accession au pouvoir, pour bien montrer qu'il est le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il prend la main sur les pouvoirs, sur les dispositifs institutionnels. Ça rappelle le message à l'État de l'Union du président américain. C'est très exceptionnel. Sarkozy l'avait fait pour une réforme et Hollande l'avait fait pour à la suite des attentats. Mais là, on voit bien qu'il s'agit de marquer ce que sera son rapport avec les pouvoirs et de mettre très clairement en avant ceux du président par rapport au Parlement, puisque c'est le Parlement réuni, c'est-à-dire les sénateurs et l'Assemblée nationale qui est réunie en congrès à Versailles. C'est aussi le signe de ce qu'on appelle le président jupitérien, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, une présidence d'autorité, là, en l'occurrence, institutionnelle. L'autorité du chef de guerre, alors ça lui a été beaucoup reproché, il est en visite à la base de Istres, et il s'habille en Top Gun, c'est-à-dire en pilote. Un président l'avait fait avant lui, c'était Jacques Chirac. On a retrouvé les images qui s'étaient habillées aussi en pilote. Mais il y a aussi l'image là de quelqu'un qui est jeune, qui est décidé, qui est un chef de guerre. Et d'ailleurs, toute la polémique avec Pierre de Villiers, le chef d'état-major, montrait cela. Et sur le plan institutionnel, c'est l'idée que moi j'ai défendue toujours quand on me demandait mon opinion là-dessus, un peu à rebrousse-poil. Je pense qu'il avait raison, car un président de la République est le chef des armées. Et il n'a pas à discuter, il n'a même pas à discuter avec le chef d'état-major. Le chef d'état-major peut obéir.
ça ne se négocie pas si vous voulez rester à hauteur présidentielle. Ça peut se discuter et je comprends ceux qui ont d'autres avis, qui considèrent que c'était un peu une humiliation pour Pierre Bélier, mais qui est quand même aussi le frère de... Bref, voilà, il y a peut-être aussi les choses derrière. Alors, face au vent, c'est très beau lien. La fameuse poignée de main trumpienne, vous savez, où Trump a l'habitude d'attirer à lui ses interlocuteurs. Et là, vous voyez, il force tous les deux et Macron lui résiste. Il le dit, c'est la phrase exacte, je vais essayer de la retrouver. Il dit, il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques. Et que même à travers cette image de fraternité franco-américaine, eh bien, ce n'est pas la France qui cédera. Et donc, on dira ces quatre vérités au président américain, comme d'ailleurs, on les dit à Vladimir Poutine. Je crois que ces regards sont assez éloquents, ce ne sont pas des regards de convivialité. On le reçoit à Versailles, c'est-à-dire dans la majesté de toute l'histoire de l'État français et de l'autorité française, et on lui dit qu'on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi et qu'on lui résistera le cas échéant. Là, il y a d'innombrables citations de Macron critiquant Vladimir Poutine. Les images sont très très fortes et c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Et puis alors il y a l'image du leader, c'est l'image que Time, qui a eu l'habitude de faire ses couvertures depuis même la 4ème République, ce président français, même depuis la 3ème République, mais là, the next leader of Europe, c'est lui qui prend le leadership de l'Europe que Hollande avait perdu, que Sarkozy et Hollande avaient perdu d'ailleurs. De Gaulle était le leader de l'Europe, Pompidou l'était aussi, Giscard aussi, avec Helmut Schmidt. Mais on peut dire que Sarkozy et Hollande l'avaient perdu au profit d'Angela Merkel. Lui, il veut le reprendre. Alors, ce que dit perfidement, mais fort justement, le journal, « If only can lead France », la condition de ce leadership européen, c'est qu'il soit incontesté en France, et on sait les difficultés qu'il a aujourd'hui. Mais voilà, cette image de leader, elle est aussi quelque chose de très gaulien. C'est pour ça que je parle de renouveau. Des rituels et des images gaulliennes, y compris, alors là, dans quelque chose qui n'aurait pas pu se faire du temps du général de Gaulle, mais qui est le contact direct avec la discussion. Ce n'est pas simplement le bain de foule, c'est la discussion, la polémique, le débat, tel que Macron l'adore. Ce que me disait l'un de ses conseillers, Sylvain Faure, c'est que c'est son plaisir. Il n'aime jamais tant que débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé là. Je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais il l'a fait à plusieurs reprises. Quelquefois avec des petits dérapages, avec des phrases qui étaient très mal perçues. Mais en tout cas, il est au contact et ça prouve sa détermination. Et très récemment, le fameux combat de coq, le combat d'ego entre les deux sexagénaires qui ont mal de virilité, l'un le représentant des artisans et commerçants qui est Jean-Jacques Bourdin, et l'autre d'une extrême gauche post-trotskiste. Pour moi, ça a été pensé, par Emmanuel Macron, par son entourage, comme une preuve supplémentaire donnée aux Français de sa capacité à l'autorité et au répondant. Ça a été vu comme ça, comme un combat qu'il devait gagner, qu'il allait gagner, et comme par ailleurs, c'était une manière pour les deux autres là, de s'installer dans le paysage. Enfin, se confirmer dans le visage médiatique français, avec la solennité du palais de Chaillot, tout ça était tout à fait révélateur, mais c'est révélateur, je le répète, de ce goût du combat qui est celui d'Emmanuel Macron et qui est incontestablement quelque chose de très gaullien. De Gaulle, entre les deux bandes, Macron s'inscrit dans cette continuité. Après, attention, je n'ai pas dit que Macron s'était hissé au rang de Gaulle, personne ne peut se hisser au rang de Gaulle, qui était d'abord le héros du 18 juin 40, l'homme du gouvernement provisoire de 1944 et de
et de 58. Mais il y a, en tout cas, avec Macron, un retour à tradition gaulienne. Et alors, c'est pour ça que je vous dis, je vous ai compris, hein, mais il faudra le prouver, ça m'étonnerait, vendu mon œil. C'est-à-dire que, comme De Gaulle aux Algérois, je vous ai compris, mais en fait, il allait ensuite les trahir et faire l'indépendance. Et là, c'est un petit peu ce que veut dire ce texte, mais moi, je dis à suivre. Voilà. Et je vous demande de suivre. Ces images, et c'est vrai qu'ils montrent des choses tout à fait évidentes et pour un certain nombre, je crois très novatrices. Voilà. Bon, il y a peut-être donc quelques questions. On peut revenir sur telle ou telle image ou telle ou telle. Je vous ai pas assommé. Je pensais à la dernière image. La rencontre avec les deux journalistes, si je me souviens bien, pas une seule fois, ils ont appelé M. le Président, ils avaient un comportement qu'on n'avait jamais vu par rapport à un président de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quand même surprenant. Moi, je vous avoue que... Je vous avoue que j'en ai été profondément choqué, surtout amusé, parce que ça me paraissait d'inutiles provocations qui était là encore dans l'incompréhension totale de la fonction présidentielle, ce qui n'est pas étonnant venant de Delphine Plenel, parce que elle est quelqu'un qui veut la fin de la Ve République, donc qui ne prend pas à la fonction, enfin, qui n'adhère pas à cette fonction. Et la part de Bourdin, c'était simplement une sorte de pédagogie de médias, en fait. Mais je trouvais ça assez ridicule. Et je trouvais déplorable de la part d'Emmanuel Macron de s'y être pris. C'est-à-dire que je pense que cette interview-là était une erreur de stratégie, même si à terme, il confirme son image de fermeté, de répondant, je le répète, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la présidence. Oui, bonsoir. À un an des élections européennes, est-ce qu'à votre avis, vous pourriez nous dire quel est le président qui a fait le plus pour l'Union européenne, pour faire progresser l'Union européenne? Je pense que là, c'est une question difficile parce que... c'est une question très difficile. Je pense qu'ils ont tous apporté leur pierre, si vous voulez. Le général de Gaulle en construisant l'axe franco-allemand, Georges Pompidou en faisant entrer, alors est-ce que c'était positif ou négatif, mais c'est lui qui a fait entrer le Royaume-Uni ce qui n'était pas encore l'Union Européenne, mais le marché commun. Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le grand promoteur de l'idée européenne, et qui voulait même aller sans doute plus loin, au départ, vers une fédération des États-Unis d'Europe. Mitterrand, qui avait fait de l'idée européenne son idée majeure, lui aussi, hein, pour Mitterrand, le principal axe de son bilan devait être la construction européenne, ou les symboles avec Kohl, etc. Vous voyez, c'est très difficile, parce que chacun apporte peu à peu sa pierre. Il est sûr que Macron veut incontestablement faire franchir un cap. Fort de ce leadership, en tout cas en essayant de profiter d'un rééquilibrage du rapport de force avec l'Allemagne, il veut passer à une étape supérieure avec un ministre peut-être de la Défense européen, un ministre de l'économie européenne, peut-être aller vers une élection d'un président de l'Union européenne. Tout ça reste encore un peu flou, mais il est sûr que l'Europe est la priorité de son projet politique.
ce dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il est en train de lancer aujourd'hui, avec la marche pour l'Europe, là, qui vient de lancer, que la République en marche vient de lancer il y a un mois, mais incontestablement, on ne comprendrait pas la première année de la présidence Macron, c'est-à-dire une présidence de rigueur, dont l'objectif c'est les 3%, le fameux 3 points là, de déficit, on ne le comprendrait pas sans parler de son projet européen. C'est-à-dire qu'au fond, pour simplifier, l'idée de Macron, je donne des gages de solidité économique à l'Europe pour pouvoir m'imposer comme celui qui va construire une nouvelle Europe. Je pense que c'est à peu près ça, sa philosophie politique. Après, moi, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Je peux dire. Il n'y a pas d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Assommé. Je vous poserai une question. Alors, bien sûr, ce n'était pas pendant sa fonction, mais est-ce que vous pensez que les affaires judiciaires que Nicolas Sarkozy traîne, il y a quand même 4 mises en examen, dont une pour laquelle il a déclaré innocent, mais c'est l'affaire il y a quand même 3 mises en examen qui restent. Est-ce qu'on pensait que ça peut entamer, altérer la fonction présidentielle ou comment situer dans... Alors, on sait, moi j'ai fait plusieurs livres sur les scandales politiques, etc. C'était un de mes sujets de prédilection il y a quelques années. On constate que les affaires jouent toujours un rôle. On a parlé tout à l'heure de l'affaire des diamants, de Bokassa pour Giscard. C'est très difficile de l'évaluer. On ne sait jamais ce que ça peut représenter. Jacques Chirac a eu aussi une affaire. On sait qu'à terme, c'est toujours quelque chose qui dégrade la fonction présidentielle. Parce que c'est un des arguments sous-jacents, plutôt, c'est dans le discours des militants, des électeurs, des partis de type populiste, c'est quelque chose qui revient toujours. Ça ne revient pas forcément dans le discours populiste, même si c'est quand même, ça a été récurrent, par exemple, le Front National a toujours beaucoup joué là-dessus, sur la corruption des élites, etc. Mais c'est encore plus grave dans les esprits par rapport à la légitimité des pouvoirs institutionnels et notamment de la présidence. Donc effectivement, au-delà de Nicolas Sarkozy, qui a sûrement eu un effet, enfin je veux dire, qui a été délégitimé par les affaires, c'est la fonction présidentielle qui peut être aussi... parce que l'idée qu'ils sont tous pourris, regardez, ils font tous la même chose, quand même quelque chose qui est très répandu. Mais je précise, c'est quelque chose qui est vieux comme la République. Sous la Troisième République, vous avez eu le scandale de Panama en 1892, vous aviez 150 députés et sénateurs qui avaient été corrompus. Quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Donc vous voyez, et quelques années plus tôt, le scandale des décorations, je suis un spécialiste de la Troisième République, c'est mon champ de privilégié et d'origine, le scandale des décorations, où le genre président de la République, à l'Élysée, faisait du trafic de décorations à grande échelle, des centaines de décorations qu'il faisait payer aux solliciteurs. Donc là aussi, il faut... Et donc ça entretient depuis cette époque-là un sentiment de méfiance envers les élites politiques. Oui. Donc simplement tout à l'heure, vous avez montré une photo qui montrait Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Bon, on en pense ce que l'on veut. Mais si on regarde bien tous les chefs d'État, il y en a un certain nombre qui ont été avec Staline, avec Maduro, que ce soit des chefs d'État, des hommes politiques, etc. Pour l'instant, tout le monde ne dit rien. On tombe sur Sarkozy et Kadhafi, parce que Kadhafi, c'est fini, et Sarkozy, il a des problèmes financiers. Mais il y aurait, moi je dirais, X présidents de la République, X hommes politiques à mettre à l'index, parce qu'ils ont été avec, à un moment donné, soit avec Brejnev, soit avec Staline, etc. De Gaulle est allé voir Staline en 1945. Et Pompidou, je vais montrer Pompidou avec Mao Zedong. Non, moi ce que je voulais montrer, si vous voulez, c'est comment la politique de l'image peut être à la fois quelque chose de porteur et quelquefois quelque chose de négatif. Mais la réelle politique,
a imposé à tous nos présidents de frayer avec les dictateurs, et Sarkozy ne peut pas être, en tout cas, accusé de l'avoir fait plus que les autres. Ça, ce serait vraiment un mal jugé l'histoire. Ce sont des relations d'État à État, c'est bien pour ça qu'il faut se rendre. Et d'ailleurs, des relations de personnes. Voilà, il y avait derrière ça des marchés à conquérir en Libye, etc. Après l'intervention en Libye, on sait que les Français ont poussé, que Sarkozy a poussé l'intervention en Libye, que ne voulaient pas Merkel et un certain nombre de pays européens. Bon, là, il y a plein de choses aussi à discuter. Mais, en tout cas, sur le fond de ce que vous dites, la réelle politique a fait qu'on a toujours à coquiner avec des dictateurs. Alors, je rebondis encore dessus sur la France-Afrique, qui a été voulue par De Gaulle, c'est-à-dire de faire la communauté africaine et malgache à ce moment-là, c'est ni plus ni moins reprendre et mettre dans les textes son discours de Brazzaville de janvier 1945. Exactement. Pour va donner, non pas l'indépendance, mais permettre aux pays africains d'avoir une plus grande autonomie à l'intérieur. Exactement. Exactement. Que la 4e République n'a pas repris. En fait, ce que rêvait Général de Gaulle, c'était un Commonwealth. Et ce que nous n'avons pas pu réaliser, parce que précisément, nos relations coloniales étaient très différentes des relations britanniques, et notre décolonisation s'est faite d'une manière différente. C'est aussi tout un débat, mais je suis bien d'accord avec vous. Tout à fait. Les Anglais avaient des colonies riches. Pardon ? Les Anglais avaient des colonies riches par rapport à nous qui avions des colonies riches. Oui, mais enfin, dans les années 30, la moitié du commerce de la métropole se faisait avec la moitié de la valeur du commerce métropolitain se faisait avec l'entrée coloniale. Donc c'était très important sur le plan économique. D'où la difficulté à lâcher ça en 1945. C'est une réalité. Bon. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Syrie peut dégénérer pour un vrai conflit grave ? Non. Moi, je ne le pense pas. Je pense que là aussi, il s'agit d'une diplomatie de la posture, mais qui s'appuie sur une véritable diplomatie souterraine, et que ce sont des rapports de force qui doivent conduire à des négociations, etc. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation où le conflit syrien, parce que c'est à ça que vous pensez, peut dégénérer une sorte de nouvelle guerre chaude entre un côté des États-Unis, le côté de l'Union soviétique, l'Atlantique. Non, je pense qu'on est passé à autre chose, on est dans un type de rapport de force. Alors c'est vrai que les tempéraments, les personnalités de Trump d'un côté, de Poutine, peuvent effrayer, mais je pense que il y a d'autres voies qui sont explorées et qu'on n'en arrivera pas à ce type d'extrémité. Mais cela, tout peut arriver. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer, donc on va vous demander de Guillaume Jeune. Et alors, je vous rappelle donc la